Bonjour à toutes, ici Scalia Alexa. J'espère que vous allez tout bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 38e épisode de Pokémon Let's Go Pikachu. Les Pokémon sont enfin prêts à combattre. Alors là, je vais aller à... On s'en va vers Parmeni. Là, les dresseurs, bon, sont assez faibles, en guillemets. En fond, il aurait fallu que je fasse ça avant de combattre la reine de Safrania. Bon, ça va. Bon, ça va se faire vite. Ah, on a capturé le bonifique et un monsieur Mime. Oui. Du coup, hop, hop, hop. Trop balèze. Ok. Ok. 12. Un Pokémon endormi bloque la chute. Voulez-vous utiliser un Pokémon? Ok. J'ai oublié de te dire que quelque chose d'important que je t'ai donné à Pokémon. Ah, j'aimerais que j'ai un point nommé. Aussi un beau spécimen de Ronflex de ce Pokémon à la fâcheuse. Tendance à prendre la première chose qu'il voit au réveil pour de la nourriture. Dans sa confusion, il peut se montrer agressif. Il devient alors très dangereux, mais il se calme si tu à le vaincre. Une fois battu, il peut être capturé comme n'importe quel autre Pokémon. C'est sympa. Coup, enfin, un combat contre un Pokémon sauvage. Ok, il faut pas que ça dépasse 5 minutes un peu. Oui. Et bim. C'est bon, c'est bon. On a attrapé le Romplex. Joli travail. Il arrive parfois que certains Pokémon attaquent des dresseurs. Ils viennent de le faire avec toi. Dans ce cas-là, ne te laisse pas impressionner et vaincre. On a une chance de les attraper. Pour ça, je te laisse bonne continuation.
Alors du coup... Ah, test. Tac. Ok. Il est trop mignon ton personnage, je peux faire un combo contre lui. Ça va être... On... La traque, en fait. Sac de nu. Ah non, ça change. Voilà. Ne pire haut que tu dors quoi. J'ai pas de boulot alors je tente l'ennui en pêche. Viata. Le Dragofeu, c'est pas la bonne solution. Hein. Il est catcheux. Vu comment le Pikachu est petit. Le Viata. Ça, t'es pas encore évolué. Pas facile. Et non, ça. Tac. Pas ça. Hop là, j'arrive trop. C'est l'histoire d'un fan de pêche qui raconte une fan de Pokémon qui passe. Ah. Un tonneau.
T'as gagné, et ouais, j'ai gagné. Ouya. Pardon. Patience pour être un bon pêcheur, il faut savoir prendre son temps. Je peux des cannes à pêche. Je vais suffire ma prise. Ouais, ça mord dans le coin. Ça arrive. Voilà. On est bon, on est bon. Un vieux monsieur qui a tendance à tout oublier habite près. Descendre. À présent, à tout. Oh, je pourrais te donner cette cité, j'aime plus. Voyez un pêcheur. Un peu des entrailles. On est rendu. On dirait un crapaud ouais, bizarre comme ça. Oh non. Punaise. Non. Ah, je vais attendre ça tout le temps. Après on sait jamais ce qu'on peut attraper. Tentacule.
Un boss. Une. Non, un peu ça, je n'arrive pas, je peux me concentrer, mais calme. Pas me souvenir. Et toi là, ça se trouve, tu connais, tu sais que. Ça me dit rien, mais. Ah, même. Non, tu me dis. C'est bien sûr que je suis trop magique. Yep. Le combo capture que tu connais, c'est des Pokémon dans la même espèce plusieurs fois d'affilée. C'est un plus gros. L'électricité, c'est ma spécialité. Un Pokémon de type électrique, c'est ça? The Queen? À toi. Pour jus. Par cul. Tiens. As-tu trouvé une pierre lune? Ouais, même deux. Ok. Yep. Ce pont enveloppé par le doux parfum de la mer semble tout droit sorti d'un roman. C'est l'endroit idéal pour s'en. Es-tu prête à te battre tout en l'amour? Très bien, écrivons ensemble le récit de ce combat, de notre combat.
Mélodef. Oh, ça fait déjà 21. Incroyable. Bon, sur ce, on va arrêter l'épisode ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, à liker, partager, vous abonner. Et puis, ben, on se retrouve prochainement pour l'épisode de Pokémon. Let's go Pikachu! Allez, des bisous à tous, bye bye!